Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation et de dégustation de bière. Aujourd'hui on teste une série de 3 que j'ai trouvé récemment, les Compañeros. Alors il y a 3 modèles, c'est une bière tequila, lemon et mint, donc tequila, citron et menthe. Celle-ci est uniquement à la tequila. Et celle-là est tequila cachaça. Donc c'est fabriqué en France. Les 3 sont à 5,9 degrés. Donc voici les différentes canettes. Ou mojito pour celle-là. Elles sont à 5,9 degrés chacune. Voilà, celle-là pareil. De plus près, donc Compañeros, donc c'est bien stipulé fabriqué en France, c'est des canettes de 500 et on va tout de suite goûter. Donc je vais commencer par le goût que je connais absolument pas, la rouge, parce que tequila et cachaça je vois pas trop. En tout cas, elle est rouge comme la canette, ça c'est sympa. Voilà, on va essayer de voir ça un peu plus au soleil, à la lumière. Voilà, elle a une belle couleur, bien rouge. Voilà, et on va goûter ça. Ah ouais, c'est un peu, on sent bien qu'elle, c'est une bière forte déjà, on sent bien la tequila. Franchement, comme je connais pas trop le goût de ce qui va avec, je peux pas trop en parler, mais c'est pas mauvais. C'est agréable. Elle a un chouette goût, c'est plutôt agréable. En plus, elle sent bien fraîche, donc ça aide. Ensuite, on va prendre la tequila normale. Donc ça, ça devrait pas apporter de grandes surprises normalement. Voilà. Alors, elle est plutôt style bière blonde. On va mettre ça à la lumière aussi. Voilà. Elle est bien. Il y a une belle bulle. Elle est jolie comme tout. Voilà. Alors, on va voir au niveau du goût ce que ça donne. C'est pas mauvais. On sent, pas à mon goût, on sent légèrement la tequila. Mais c'est agréable quand même, c'est une bonne bière. Ça ressemble à tout ce qu'on connaît un peu déjà en bière aromatisée à la tequila. Mais bon, ça reste agréable. Et pour finir, donc on a la tequila citron et menthe, goût mojito. Donc on va voir ce que ça donne, parce que j'aime bien les mojitos. Donc, on va voir ce que ça donne avec la bière. Oh, en tout cas on sent déjà la menthe à peine ouvert. Ouais, c'est agréable. Donc voilà, celle-là. Donc c'est, elle fait plus bière blonde, on va dire. Voilà. Hop. Côté sympathique. Et on sent vraiment bien la menthe. Dans son cas, ouais, ça sent bon, c'est bon. Ouais, elle est vraiment bonne celle-là. Ça sent vraiment le mojito, la menthe et le citron. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est des nouvelles bières que j'ai trouvées chez moi ce week-end. J'espère que cela vous intéresse, vous a plu. En tout cas, elles sont agréables en goût et en couleur.
Ma préférence va vers celle-là au niveau du mojito. Et une découverte pour ça. Celle-là, je trouve que le goût de la tequila est pas assez prononcé, mais ça, c'est pas mal, c'est original, ça change de ce qu'on a l'habitude. Et le mojito, là, est vraiment parfait au niveau du goût. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'accueillir des nouvelles personnes et de voir de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à vous, ciao bye!